Coucou les morues, comment on va? Deuxième épisode de la série Hardcore. Là, j'étais paumé dans un bastion. J'étais en train de loot des coffres de façon assez périlleuse. Là, il y avait plein de piglins brutes que j'avais tués. Bon, en tout cas, j'ai pu loot beaucoup de choses, dont des anciens débris, enfin un seul, quelques diamants, des pioches, Tiltouch et Effie. Donc, c'est déjà un très bon début. Mais juste pour l'instant, je vais me contenter de rentrer parce que ça serait bien déjà d'avoir une base, d'avoir une maison. Parce qu'actuellement, j'en ai absolument pas. Donc, allez, on va pas plus énerver les pique que ça. Au passage, si les vidéos te plaisent, n'oublie pas de like pour le soutien, ça ferait hyper plaisir. Et nous, on passe à la suite de l'aventure. Où est-ce qu'il est mon portail? Je sais plus. Ah, ça c'est un problème. C'est un petit problème. Je vais retourner vers les 0-0 et quelques. Alors, en vrai, vous savez quoi? Je pense qu'on va descendre au bord de la lave et voir s'il n'y a pas un petit trader qui traîne. J'ai envie de tester la canne à pêche. Puis si je peux rentrer comme ça, tant qu'à faire. Il y a un trader. Par contre, il y a aussi des hoglins. Et ça, par contre, ça fait très mal. J'ai pas envie de crever. Je répète que mon stuff, c'est un fou de fer. Hein, avec des bottes en or. Donc ouais, clairement, je ne tank pas beaucoup. Oust les hoglins. Oh, mais c'est des sacs à PV. Il y en a encore deux là-bas. Bon, c'est bon. Ça fait plein d'XP. Eux, c'est mes copains. Et je crains rien avec eux. Petit Strider, viens par ici. T'es trop loin pour moi là. Allez, viens. J'ai chaud. J'ai très chaud. Viens par ici. Ah bah voilà. Donc maintenant je mets la selle. Je monte dessus. Ah c'est bon. Allez, je suis parti. Allez, salut. Hein. Et c'est beau par ici. Hein. N'est-ce pas Strider hein, tu t'entends bien avec moi. Hein. Ça fait quoi si je clique? Wow. Ça va trop vite. Bon écoutez, je vais remonter par là. Je vais juste espérer qu'il s'enfuit pas. Attends, je peux pas l'emmener là-haut. Viens ici là. Ah, ça marche, ok. Je l'emmène avec moi. En fait, ça va être plus compliqué que prévu. on va descendre. Est-ce que je peux t'enfermer vite fait? Genre, c'est mon nouveau copain. Faut juste que je le garde pour plus tard. Bon, je sais, t'as un peu... Non! Reste là! Non! Mais quel boulet. Bah oui, il va se réchauffer du coup. Ok, je retiens l'écho, 218,95. Comme ça, même pour moi plus tard, si jamais j'ai besoin de revoir l'écho dans la vidéo, bah je pourrais. Bon, il y a juste 2-3 choses qu'il faut que je cherche encore, ce sont des piglins pour échanger de l'or. Parce que là, j'ai 17 blocs d'or, soit 2 stacks et demi d'or, et ça serait bien que j'ai plein d'ender perles, des potions de fire resistance, et comme ça, si j'ai une forteresse au passage, eh bien, je pourrais farmer des bâtons de blaze, sans me faire tuer cette fois-ci par des withers. Mais on va pas farmer les bâtons de blaze tout de suite, hein, parce que me connaissant, je vais encore crever. Donc on va jouer doucement. Alors, je prends déjà assez de risques. Ok, il y a un pic là-bas, on va y aller. Et je vais très clairement l'enfermer. Alors, faut pas qu'il y ait de petits, ni de hoglins. Au pire, c'est bien. Tiens, monte par là, c'est bien, voilà. Là, je vais barricader le passage. Essaye de monter un peu, s'il te plaît. Allez, je vais t'enfermer. Non, mais il est monté trop vite, là. Bon, je me fais un petit coin tranquille avec lui et je m'occupe des trades. Allez, on est parti pour 2 stacks et demi d'or. J'ai pas beaucoup de place dans l'inventaire, par contre. Et je viens de jeter mon bois. Super. Allez, go le pig. Je compte sur toi. Bon, mais du coup, je finis avec plein de potions. Attendez. Pourquoi il y a des bouquins qui traînent là? 2 bouquins soul speed, encore une popo. Et on est pas mal. Comme ça, la prochaine fois, je ne mourrai pas de brûlure et de wither squelette. Ouais, vraiment, je l'ai mauvaise encore. Allez, je vais retourner vers les 0-0 en fait. Ok, où est-ce qu'elle est mon portail? En fait, je sais même pas si j'ai spawn dans ce biome là ou pas. Ah! Les squelettes. Aïe. Aïe, aïe. Tirez-vous dessus. Tirez-vous dessus, j'ai dit! Pourquoi il veut pas? Oh, il est vraiment focus sur moi. Je pense que mon portail, il est par là-bas. Nickel, juste là. C'est même là que j'avais explosé un ghast. Allez, on rentre. De retour dans l'Overworld, je vais rentrer chez moi. Je vais poser les bouquins enchantes, toutes mes potions, et en fait ça servira pour la prochaine exploration dans le Nether. J'ai eu 22 d'obsé au passage, 14 scrolling obsidian de la Netherite, enfin un ancien débris.
J'ai également eu 3 Ender Pearls. Et on m'avait dit de tester un truc dans les commentaires. Est-ce qu'on peut fusionner les deux, en fait, dans l'inventaire pour retirer... Non, on peut pas, en fait. Genre, vraiment, c'est un enchant qui est stocké à l'item. Tu peux pas le retirer. Donc bon, bonne idée. Mais malheureusement, ça ne marchera pas. Je suis condamné à rester avec 6 enchants pour toujours. Écoutez, on va faire un truc. On va déjà crafter une enclume. Hop, et je vais mettre l'enchant Mending et bien sur ma pioche. Comme ça, bah, même s'il n'y a pas fortune encore, ça permettra de miner beaucoup plus longtemps. Voilà. On va se crafter une petite longue vue également. Voilà. On dort un coup et ensuite, je pars directement dans les profondeurs pour trouver du diamant. Et c'est sur ce 11e jour avec ce magnifique lever de soleil qu'on va partir chercher du diamant. Mais bon, je vais pas trop en profiter vu qu'on va partir dans les mines. On va s'éloigner un peu parce que je rappelle que pile sous mon village, il y a une cité antique et j'ai pas envie d'y aller maintenant. Genre vraiment pas. Je suis en train d'y penser mais il y a peut-être moyen que je passe par l'eau, non? Non, il n'y a pas plus de grottes que ça. Wow, 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 le zombie. Viens te battre, toi. Bam. Ouais, quand t'as pas de casque respiration, c'est vraiment pas ouf au départ, hein. Alors ça commence à être intéressant, je vais crafter des portes, parce qu'en fait là, juste derrière moi, il y a une grotte sous-marine, et je pense que pour en miner du diamant, genre couche 0 environ, c'est pas trop mal. Donc allez, on va tenter de trouver un peu de diamant. L'or, je le prends également, bien sûr, pour les piglins. On va miner vite fait, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, j'ai trouvé une sacrée grotte. Et alors, il y a un diamant tout là-bas. Mais bah, il est loin. Et il y a Mass Mob. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de diamants que ça. J'en vois pas au plafond. Là, t'as carrément une veine de fer. Donc pour plus tard, bah pourquoi pas. Je suis pas trop loin de chez moi. Mais depuis tout à l'heure, je passe mon temps à tuer des mobs. On va faire un petit groupe. Ça va faire boum. Boum. C'était beau. Ah mais il y a 2 diamants là-bas. Ah bah c'est bien. Il y a un diamant là aussi. Bah voilà, c'est bon. Enfin la richesse. Mais il y a d'autres... Non mais attends, il y en a partout là. Il y en a absolument partout. Bon bah tant mieux. Hein. Je demande que ça. Et là en fait il y en a un ici, deux là-bas. Là t'en as sur le mur ici que je viens de voir à l'instant. T'en as tout au fond là-bas. Non c'est pas mal, c'est pas mal. Allez go, on mine. Bon bien sûr il y en a qu'un à chaque fois. Hein. On va pas rêver. Ah mais attends mais c'est grand ici. Oh. Mais il y a encore du diamant. Attends, ils sont où les portes? Les portes. Cette grotte est juste énorme. Il y a tout. Il y a absolument tout. Et on se retrouve quand je suis full diamant. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais c'est... C'est la richesse, là. Oh. Oups. 1, 2, 3 diamants. Je vous l'ai dit, c'est une véritable mine. C'est clairement le mot pour définir cette grotte. C'est une mine de diamants. 20 diamants. Bah en fait il en manque plus que 4 et j'ai mon full stuff, voilà. Bon peut-être un peu plus quand même, hein. On va pas s'arrêter à ça. Genre là-bas. À 3 diamants. Bah nickel. 4, 5, 6, 7, 8. Waouh. Désolé. C'est quoi ce filon là? Ok d'accord. C'est rare les filons comme ça à la surface. Genre vraiment quoi. Ok là-bas. Ah j'ai plus de hache. Oh il y a un slime. Alors ça par contre je vais le tuer. Parce que les boules de slime, c'est toujours utile pour tout et n'importe quoi. Donc, go. Hop, 14 boules de slime. C'est parfait. Au fait, petit aparté, pour ceux qui veulent mes shaders, je vous les mets en description. Et j'ai pas de texture pack. C'est vraiment que des shaders. Et ce sont les complementary shaders. Alors que j'ai un peu configuré moi-même, du coup. Aïe, 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 aïe. Ah non, j'ai pété mon bouclier. Oh mais non, j'ai pas de bois pour en refaire. Ah ça pue par contre. Oh, oula ça pue. Ah ça pue. Je vais remonter. J'ai plus rien pour me protéger là. Faut que je remonte. D'ailleurs maintenant, tous les diamants que je trouve, je vais les prendre à la touche de soie. En fait ça permettra de les miner à la fortune plus tard. Donc ça fait un peu de stock de diamants. Et tant qu'à faire, je me dis, je vais faire un petit stock de Deep Slate. Parce qu'en fait, bah, ça me permettra de build ma maison juste après. Donc ouais, on va faire ça. On va miner un petit peu. Bon, on mine couche 15. C'est vraiment pas petit pour le coup, pour le diamant. Mais bon, c'est pas trop grave non plus. D'ailleurs, j'y pense, mais autant que je crafte mon full diamant maintenant. Comme ça, au moins, je serai beaucoup plus tranquille par rapport aux dégâts. Voilà. Enfin, c'est le minimum, en fait. Super. Ok, bah nickel, je suis direct dans le village, super. Plus qu'à passer la nuit. Enfin bon, il va faire jour dans 2 heures sur Minecraft.
En vrai, je vais pas la passer. Allez, je pose tous les matos. Et vu que j'ai beaucoup de diamants, je peux même crafter la table. Bon, j'aurais peut-être pas assez de bibliothèque pour les enchanter niveau 30, mais c'est pas grave, on fera ça peu à peu. On a 22 de cuir, on a déjà 20 livres. Genre, ça se fait. Ouais, de base, je devais aller dans les Stronghold. Bon, en vrai, je peux le faire. Vas-y, go. Non, prochaine fois. Là, déjà, on va juste faire la maison. Je me sens un peu comme un sans-abri, là. Enfin, c'est... Là, désolé, mais c'est un studio parisien. Hop, je crafte la table. J'ai 42 de cuir, donc en fait, j'ai tout ce qu'il faut au niveau cuir. Il ne me manque plus que le papier. Et pour le papier, je pense que je vais vite explorer les alentours, voilà. Je vais quand même crafter ma hache en diamant. Voilà. Bon, allez, on farme juste un peu de bois et comme ça, je saurai combien de cannes à sucre il me faut pour terminer la table d'enchant niveau 30. Ah oui, j'ai pas de bouclier. Allez, j'ai déjà 6 bibliothèques. Il m'en manque 9. Donc 27 bouquins, 27 x 3, 81. Bon bah 81 cannes à sucre, go. De l'XP et de la bouffe. Y a que des cailloux, tu vas me dire, c'est ça? Genre, j'ai vraiment que des cailloux. Ouais, bah, ça va être plus compliqué que prévu. Ouais, mais c'est beau par contre. À défaut de pas trouver de cannes à sucre, je vais aller prendre des ruches, hein. Je vois des abeilles. Hop, cadeau. J'ai déjà marché 1000 blocs et j'ai pas trouvé une seule canne à sucre. C'est génial. Ah, peut-être par là. Non. Non. Oh, par contre, je prends du bois de chêne noir. Hein. Genre, ça, c'est pour les bulles. Hein. Ah oui, j'ai pas pris de lit. Ah ouais, j'avais oublié ça, tiens. Mouton. Bam. Et voilà. Perfect timing, je peux me coucher directement. Pause. Biome Lush Cave. Je creuse. Je veux de la mousse. Ah bon, bah j'ai pas trouvé. Ah ça y est, j'en ai enfin. Oui. J'en ai marre. Enfin, j'en avais marre. Hein. Hop, 23. Hop, attendez, j'ai un petit monument solo. Voyons voir. Oh, mon bateau. Mon bateau. Passe-moi ton trident. Trident. Ah, c'est lesquels qui prennent les coups? Ah, c'est lesquels qui prennent les coups? Ah, y a pas de trident. Ah, je suis deg. Bon, j'ai quand même allé checker s'il y a pas un petit truc à... Bah, à choper, en fait. Il devrait y avoir un coffre ou deux. Allez, premier coffre. Canne à pêche unbreaking. Vas-y, je prends. Et ici, on va tenter de retirer un peu de gravier. Alors, mais il est où le coffre? Bah, y a pas de coffre. Y a pas de coffre. Ok, d'accord. Et ici, il y a un coffre qui est planqué là-dessous. Canne à pêche, mending. Bah, parfait. Voilà, c'est bon. J'ai le combo des deux. Je les fusionne, j'ai unbreaking et mending. C'est parfait. Oh, il y a un village. Attendez, j'ai vu un village. Je suis sûr de moi. Ah, super. Mais il y a du bois en plus. Mais c'est trop bien, ça. Il y a des spruce logs. Enfin, des saplings plutôt, pardon. Et puis, c'est un plutôt grand village, hein, avec des armor stands. Et franchement, j'adore les ambiances comme ça. Avec armor stand, un petit feu de camp et tout. Un blast furnace que je vais prendre. Ah. Et est-ce qu'il y a une petite bibliothèque quelque part pour avoir des papiers? Ça serait vraiment top. Ah, là, c'est encore des fours. Encore des fours. Encore des fours. Tu me dis que dans un village comme ça, il n'y a pas une seule bibliothèque? Ben non. Alors là, je suis dégoûté. Bon, écoutez, je vais commencer à rentrer chez moi. Parce que là, je suis vachement loin. J'aurai 2000 blocs. Et... sorcière. Eh. Oh non. Bon, bah, j'ai pris une popo de régène, hein. Écoutez, faut que ça serve. Quoique, en fait, j'aurais pu ne pas en prendre en vrai. Enfin, bref, on sait jamais. Une flèche, c'est vite parti. Hein, le squelette. Je te vois, hein. Hop, allez, c'est bon, on est à la maison. Je vais juste planter quelques cannes à sucre. Et après, on fait directement la maison. Et moi, je me suis trompé de maison. Du coup, ouais, j'ai pris un peu de bois au passage. J'ai pris une ruche d'abeilles pour un début de miel. Les deux cannes à pêche, mending et unbreaking. Allez, je plante quelques cannes à sucre et je pense qu'après, bah, on devrait être tranquille en fait pour faire à la table d'enchantement. Allez, jour 16, on commence la maison. On va prendre la deep slate et tout. Je ferai le tri plus tard, vous inquiétez pas. Je sais, je suis bordélique au début. La maison, en vrai, je pense qu'on va vraiment rester autour du village. Peut-être un peu plus en hauteur, je dirais par là. Je suis pas trop fan, en fait, de l'ambiance des biomes savanes. Genre, c'est trop chaleureux. Je préfère la verdure, la vraie verdure. On va la faire là, en fait, sur la montagne. Après, je n'ai pas non plus énormément de bois, donc on va faire avec ce qu'on a. Hein. Le but, c'est de faire une petite maison sympathique quand même.
Bon, bah voilà, j'ai fait ça vite fait. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Ouais, en fait, la tour, elle me paraît bizarre. Bah, j'ai pas fini les reliefs et tout. Mais là, le problème, c'est que mes outils sont pas enchantes. J'ai pas tous les blocs qu'il faut. Et en fait, je perds plus de temps qu'autre chose. Autant que j'aille former des enchantes plus tard pour, en fait, bah, build plus vite. Que là, bah, sans HFI, sans rien, bah, sans outils enchantes, en fait, je perds énormément de temps et c'est pas du tout petit. Donc j'ai décidé de mettre en pause le projet. Là, il reste pas grand chose, juste un toit là, un toit sur la tour et ensuite les détails pour donner un peu plus de relief. C'est tout. Il y a pas plus. C'est vraiment une petite maison de départ. Mais vu que j'ai passé une bonne demi-heure à faire la maison, je pense que j'ai assez de canne à sucre si jamais je récupère tout. Et nickel, j'ai assez. Bah parfait. Du coup, je peux crafter les derniers bouquins. Et ensuite, crafter la table d'enchantement en rappelant qu'il me faut au total encore 9 bibliothèques, donc 27 bouquins. Ensuite, je crafte les bibliothèques. Il manque juste un peu de bois et on est tout bon. Parfait. La table d'enchant, on va venir la déposer vers la maison. C'est quand même le but, hein, même si je ne l'ai pas fini. Après, je pense que je vais retirer tout le bois de chêne. Oui, je me suis embêté à farmer tout le bois de chêne, ça m'embête un peu. Mais vu que j'ai commencé avec du chêne noir, bah, en fait, le mieux, ça serait peut-être de faire une maison en chêne noir et pas en chêne classique. En fait, il y a beaucoup trop de contraste entre les deux couleurs et ça rend pas très bien. J'ai fait une tentative, mais vraiment, c'est pas le mieux. Bon, je mets juste un petit sol par contre. Ouais, en fait, là où je me suis rendu compte que je perdais du temps, bah, c'est quand je cassais la dirt une par une. Oh, bah, c'était beaucoup trop long. Hop, là j'ai pété les murs comme ça, ça me fait une magnifique vue sur le village. Très sympathique. Et on va mettre la table genre sur la diago. Ici, on pose les 15 bibliothèques. Et voilà, table d'enchant niveau 30 pour un Unbreaking 3 sur la pioche. Après, c'est pareil pour tous les outils. On va checker quand même les items en diamant. Fire Protection, Protection 3. Ouais, il n'y a que du P3 en fait. Ouais, bah c'est nul. Quoique, en vrai, les bottes Blast Protection, je pense que je vais clairement les faire. Mais maintenant, le plan, bah, c'est de se full enchant et chercher le Stronghold. Mais ça, je le ferai la prochaine fois. Like, abonne-toi. Ciao!